Il n'avait pas de lunettes. Donc tu privées. Mens. Non, je, non, je ne mens pas. Tu n'as même pas honte. Attends, pour attends, ça je ne mens pas. Attends que je sois complet. Écoute, Bonnie, je peux te gifler. Je peux te gifler là. Répondez à la question. Amour. Répondez à la question. Tapez, non. Mais ça, je fais ça. Tapez. Ah non, arrêtez ça. L'administratif de 96 a continué à bâillonner les bassins qui prenaient ce royaume-là. Là. Mais il y a pas de... Regardez le pont. Je vous en prie. Regardez, il me dit... Vous ne pouvez pas l'emballer. Il ne s'en pas. Vous ne pouvez pas l'emballer. Il y a... Je vous en prie. Il y a fait quoi? On reste républicain. On est en fait. Mes études dans le privé. Depuis que je suis né, j'ai fait toutes mes études au privé. Non, dis-le, quelle université privée? Laisse-le. Bon. Quelle université privée vous avez fait l'école? Non, non. Quelle université privée? Parce qu'à ton époque, il n'y avait pas d'université privée. Il n'y avait pas d'université donc, privée. Donc tu mens. Non, non, je ne mens pas. Tu ne mens pas, honte. Attends, je ne mens pas. Attends que je sois complet. J'ai fait mes études à l'université de Yaoundé. Et elle était privée alors? Jusqu'à la licence. Tu as fait toutes les études? Bon, tu mens. Non, je ne vous regarde pas. Nous avons gagné. Et nous avons des bandits internationaux. Non, professeur, soyez. Vous avez fait fort. Hein. Non, professeur, vraiment. Vous avez fait l'intolérable, l'inimaginable. Jean Bébec. Le banditisme international, Maître Chungang, tu ne veux pas vous ne voulez pas dénoncer ça? Professeur, non, vous ne pouvez pas. Professeur, je vais vous dire une chose. On tolère le banditisme, mais international. Professeur. Vous allez nous chercher sept blancs qui s'il vous plaît. Des bandits. Docteur. Que personne ne connaît, vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. Attention, monsieur. Il ne vous ne pas pouvez pas. Ni me vaincre, ni me convaincre. La vérité, c'est vous me laissez parler, monsieur. Maître Pen, soyez libre, soyez démocrate. Tu as mouillé Biloa. Professeur, on va pas parler. C'est comme ça. C'est comme ça que tu raisonnes souvent. On va pas s'attarder. C'est comme ça que tu raisonnes souvent. On va le permettre qu'on avance le président de la République. Tu ressembles à un poulet. C'est comme ça. C'est comme ça que tu raisonnes souvent. On va pas s'attarder. C'est comme ça que tu raisonnes souvent. On va le permettre qu'on avance le président de la République. Non, regardez. Professeur, vous n'êtes pas mon professeur. Je suis désolé. Je voulais dire cela que vous ne le serez jamais. Ayez un peu du respect quand je parle. Non, je parle avec autorité. Je suis docteur. S'il vous plaît. Je vous interdis, professeur, je ne suis pas un élève. Non, on vous demande une question. Non, vous ne gérez pas le débat. Et la moindre des choses, c'est de respecter. Non, c'est vous pas répondre. Vous n'avez aucune conception stratégique. S'il vous plaît. Et arrêtez un peu cette façon d'intimider les panélistes. Et vous savez qu'avec moi, ça ne passe pas. C'est du dur. Je vais vous ridiculiser. Parce que vous n'avez aucune consistance stratégique. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Merci. Vous n'êtes même pas un politique. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, je vais vous la dire aujourd'hui. Merci. Ça suffit quand même. Que quand on arrive ici, vous braillez n'importe comment. Vous prenez pour qui, au fait? Mais tapez-moi. Arrêtez ça. Vous voyez moi, je vous tutoie pas. S'il vous plaît. Je vous en prie. Non, il faut arrêter de m'inviter quand il y a ce genre d'individu. Professeur et docteur, professeur et docteur. Non, non, je ne veux pas ça. Monsieur Bruno, on se calme. Je voudrais vous poser une question. S'il vous plaît. Je voudrais vous poser une question. Non, à vous deux, professeur, docteur, on se calme. Oui, non, je me calme. On se calme. Non, s'il vous plaît. Non, Bruno. S'il vous plaît. Non, je me calme, mais je vous saurai infiniment gré de ne plus m'inviter quand il y a ce genre de personnes sur le plateau. Il ne m'intimide pas. Docteur. Faut faire très attention, monsieur. Docteur, merci. Vous êtes professeur chez vous. Merci. Et si jamais la ville était complète des professeurs, il n'y aurait pas de balayeurs de vous. Merci. Et alors, même l'humilité s'il vous plaît. Le problème, c'est que on n'en a pas assez, on doit faire une masse critique. Oui. Et il faut qu'on les identifie. On les mette ensemble. Dans la logique là, c'est des gens comme ça, comme ils parlent là, c'est la première fois que je le vois, mais tu vois que je l'adopte. C'est ce genre d'Africains qu'on doit avoir. Ce n'est pas des gens qui hésitent, des gens qui jonglent, des gens qui ne lisent pas, qui boivent à longueur de journée, qui cherchent des postes au RDP, c'est partout, machin, et ils viennent nous râler, ils parlent beaucoup, alors qu'ils ne savent rien. Il ne peut pas répondre à une simple question, il dit qu'il va le taper sur le plateau. Non, il est en prison. Il est en prison. Il est en prison. Voilà.
Tu as le droit de le voir. Non, sinon il va arrêter l'émission. S'il vous plaît. Ouais, il va nous donner 30 secondes. Ok, je vous donne 30 secondes. Et on termine. Je voudrais dire une chose. Ça va, professeur. C'est là que tu es un docteur. Ça va, professeur. Tu sais ça. Vraiment. Pourquoi je t'enseigne? La première chose, c'est que ceux qui font professeur, je vais couper l'émission. Je vais couper l'émission. Je vais couper l'émission, s'il vous plaît. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Mais quand vous invitez des gens, quand il y a des ostrogoths, ce genre, vous les mettez dehors. Voilà. Mais il a failli, on a failli le tuer. C'est. Dans Homme de Bain qui est ensemble, c'est ça, en un mot. Écoute, Bonnie, je peux te gifler! Je peux te gifler là! Répondez à la question! Amour! Répondez à la question! Chien! Je demande, est-ce que vous me mettez un. Oui, je lui dis ça! Mais c'est ce que tu dis ça, c'est qu'elle me mettait! Est-ce que tu as dit qu'on mettait un essai? Mais je vous pose la question! Réponds! Alors les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur la chaîne YouTube 100% Info car vous êtes sur la meilleure chaîne YouTube d'information au Cameroun. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.